Salut à tous, c'est Néo. Donc là, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On se retrouve pour une astuce pour se faire de l'argent en illimité. Donc pour les pauvres. En tout cas, avant ça, un grand merci à vous tous pour les 30 500 abonnés. C'est juste énorme. Go Rush, les 30 600 abonnés. Donc, pour commencer, on va commencer par être en session sur invitation. Donc, comme moi, avec un mode de visée libre ou un mode de visée assistée, peu importe. Les deux modes de visée marcheront. Vous devrez du coup aussi mettre votre point d'apparition, donc apparition, soit en dernière position ou soit dans la suite avec terrasse du casino. Ok? Et vous devrez avoir des jetons sur vous, donc minimum au moins 20 000 jetons sur vous, ok? Donc une fois tout ceci préparé, c'est parti, let's go! Allez hop, donc là pour commencer, on va dans le casino, on va au niveau des machines à jeux comme moi, ok? Donc si vous n'avez pas la suite avec terrasse du casino, c'est pas grave. Là, vous allez dans la salle en blanche qui est juste en face de moi, ok? Ou sinon, si vous avez la suite avec terrasse du casino, là, on va dans la salle VIP, ok? Donc ensuite, là, on va au niveau du blackjack, ok? Donc vous avez un blackjack dans la salle normale et dans la salle VIP, du coup, ne vous inquiétez pas, ok? Donc hop, c'est parti, on va au niveau du blackjack. Là, on s'installe. Donc en faisant la flèche de droite, hop, c'est parti, on s'installe. On fait le bouton croix pour continuer. Hop. Donc là, vous allez faire le bouton triangle pour miser la mise maximale. Et on fait le bouton croix pour miser. Ok. Donc là, si vous avez un nombre qui est supérieur au nombre 16, là, vous allez faire le bouton carré pour rester. Ok. Et du coup, si vous avez un nombre qui est inférieur au nombre 16, vous allez faire le bouton croix pour tirer une nouvelle carte. Donc moi, là, j'ai actuellement le nombre 12. Donc là, vous allez faire le bouton croix pour tirer une nouvelle carte, vu que le nombre 12 est inférieur au nombre 16. Ok. Donc hop, c'est parti. Je fais le bouton croix pour tirer une nouvelle carte. Hop, let's go. Donc là du coup j'ai 20 et 20 c'est supérieur au nombre 16. Donc je fais le bouton carré pour rester. Ok. Hop, ensuite la dame retourne ses cartes. Et là vous allez voir que normalement je vais remporter. Vous avez vu, boum, ça a bien fonctionné. Du coup j'ai remporté 100 000 jetons. Donc voilà. Ensuite on fait le bouton rond pour quitter le blackjack. Là, vous allez faire le pavé tactile. On va dans style, tenue et on change une tenue. Donc, pour faire un petit cercle en bas à droite orange qui se fait pour faire une petite sauvegarde du jeu. Ok. Donc, pour pas perdre vos jetons. Donc, ensuite, là, vous allez voir qu'on peut faire du coup ça en illimité et remporter donc beaucoup d'argent en très peu de temps. Donc, hyper facilement. Donc, là, vous allez voir qu'à la fin, vous pourrez du coup reconvertir vos jetons en GTA dollars et vous faire un maximum d'argent. Donc c'est parti, là on se réinstalle et on continue et on fait ça vraiment en illimité. Donc on fait bouton triangle pour miser la mise maximale et on fait bouton croix pour miser donc nos jetons. Hop, c'est parfait. Là du coup, là mon nombre c'est 15 et vu que 15 c'est inférieur au nombre 16, on fait le bouton croix pour tirer une nouvelle carte. Ok. Là du coup, là je vais avoir du coup j'ai 19 et du coup vu que 19 c'est supérieur au nombre 16,
Là, on fait le bouton carré pour rester, ok? Ensuite, la dame retourne ses cartes. Et là, vous allez voir que normalement, boum, j'ai remporté encore 100 000 jetons. Donc, c'est vraiment hyper simple à faire. Là, on quitte de nouveau le blackjack. On fait pavé tactile. On va dans style tenue et on change une tenue pour faire une sauvegarde du jeu, ok? Pour pas perdre ses jetons. Là, ensuite, on se réinstalle au niveau du blackjack. Hop, on fait la flèche droite pour s'installer. Là, on fait de nouveau le bouton triangle pour miser la mise maximale. Et on fait le bouton croix pour miser nos jetons. Donc, hop, c'est parti, on mise. Voilà, boum, c'est parfait. Là, du coup, vous allez voir votre nombre. Et du coup, moi, j'ai actuellement donc le nombre 19. Et vu que 19, c'est supérieur au nombre 16. On fait le bouton carré pour rester. Donc hop, bouton carré pour rester. Là maintenant, la dame va retourner ses cartes. Et vous allez voir que du coup, j'ai remporté plus 100 000 jetons de nouveau, une fois de suite. Donc c'est vraiment hyper simple à faire. Là, on quitte de nouveau le blackjack. On fait de nouveau le pavé tactile, style, tenue. Et on change une tenue pour faire un petit cercle en bas droite orange qui se fait. Pour faire une petite sauvegarde du jeu, ok. Ensuite, on se réinstalle au niveau du blackjack. Là, on fait le bouton triangle pour miser la mise maximale. Hop, et on fait le bouton croix pour miser nos jetons. Donc là, vous allez voir votre nombre. Donc, moi, là, j'ai actuellement. Là, vous allez voir, j'ai 20. Donc, 20, c'est supérieur au nombre 16. Donc, on fait le bouton carré pour rester. Donc hop, bouton carré pour rester. Ensuite, la dame va retourner ses cartes. Et vous allez voir que je vais encore gagner. Donc 100 000 jetons une fois de plus. Donc là, vous avez vu, boum, ça a bien fonctionné. Voilà. Là, on requitte le blackjack. On fait pavé tactile, style, tenue. Et on change une tenue pour faire une sauvegarde du jeu. Et pour pas perdre ses jetons. Donc là, c'est parfait, ça a bien fonctionné. Ensuite, on se réinstalle. Et voilà, du coup, là, vous allez pouvoir faire ça vraiment en illimité, pouvoir remporter vraiment beaucoup d'argent en très peu de temps. Donc, hop, c'est parti. Là, on rejoue. Et là, vous allez voir que je vais avoir un 21. Et 21, ça signifie blackjack. Et quand on a un blackjack, on gagne automatiquement des jetons. Et j'ai remporté 125 000 jetons. Voilà. Ensuite, on quitte le blackjack. On fait pavé tactile, style, tenue pour faire une sauvegarde du jeu et pour pas perdre ces jetons qu'on a actuellement, ok? Donc hop, ensuite on se réinstalle au niveau du blackjack et on continue. Donc voilà. Donc là c'est parti, hop, je change de tenue pour faire une sauvegarde du jeu. Ensuite on se réinstalle au niveau du blackjack. Là vous allez faire le bouton triangle pour miser la mise maximale. Et on fait le bouton croix pour miser nos jetons. Donc hop, c'est parfait. Là, vous allez voir que du coup, j'ai. Là, j'ai 19. Et vu que 19, c'est supérieur au nombre 16, on fait le bouton carré pour rester. Ok. Et là, vous allez voir que je vais remporter de nouveau 100 000 jetons une fois de plus. Du coup, là, j'ai une égalité. Du coup, si on a égalité, on remporte seulement 50 000 jetons. Mais c'est pas grave. Là, vous allez quand même remporter du coup des jetons. Donc on quitte le blackjack, on fait pavé tactile de nouveau, et du coup on change une tenue pour faire une sauvegarde du jeu, et ensuite on se réinstalle au niveau du blackjack, voilà. Donc là on fait le bouton triangle pour miser la mise maximale, le bouton croix pour miser nos jetons. La dame me passe les cartes, ok, là vous allez voir que j'aurai 16. Donc si on a 16, on fait le bouton croix pour tirer une nouvelle carte, ok. Ensuite, là, vous allez voir que je vais faire exprès de perdre la partie. Donc, pour vous montrer qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on perd la game, ok? Donc, du coup, quand on perd la game comme moi, ce n'est pas grave. Là, vous allez faire le bouton PS, ok? Donc, hop, bouton PS, paramètres, on va dans réseau. Et du coup, on décoche la case se connecter à Internet. Ensuite, on la recoche. On fait deux fois le bouton PS et on revient sur notre jeu. Là, vous allez accepter le message d'alerte. Ok, on va respawn en mode histoire. Une fois arrivé en mode histoire, là vous allez faire le bouton start en ligne et vous allez en session sur invitation.
Ok? Une fois que vous avez respawn en session, là vous allez voir que vous n'allez perdre aucun jeton, donc tous vos jetons seront bien là, du coup ça a bien fonctionné. Et on fait ça en illimité, et du coup on se fait un maximum d'argent en très peu de temps. N'hésitez pas en tout cas à liker et à vous abonner, Hugo Rush, les 30 600 abonnés. Moi du coup en tout cas je vous laisse donc sur ce gameplay, donc sur ces images, c'était Néo. Allez, ciao!